Alpha Niteo, Foxtrot Unité Italie Tango Oscar, Fox 5 Lima Kilo Whisky Portable. Je suis au sommet. Attends, combien d'altitude? Alors je suis au sommet de Couard. Sommet de Couard, à 1989 mètres d'altitude. Il y a peu de vent, donc je vais me décaler un peu là. Là j'en ai un peu moins. Hein. Tu es 59 également. Le saut, la référence SOTA c'est FAM 345, 349, FAM 349 en JN 34 Echo Charlie dans le département 04. F1 ITO, F5 LKW portable. Ok Roger, pardon, j'ai coupé la pédale. Donc c'est formidable, ça marche super bien. Je suis avec les antennes... Les antennes directives, les deux antennes de 6 mètres de boom en tracking, polarisation horizontale, 25 watts actuellement, donc sans préampli de réception, tu es 55-57, suivant comment tu bouges, et avec le préampli de réception, 59 plus 60 dB, le S-mètre est à fond, donc ça ne veut pas être mieux, c'est formidable, ça fonctionne bien, donc ici en Juliette, novembre 2, 3 uniformes écho. Juliette, novembre, 23 uniformes éco depuis le QRA. Voilà, j'espère que tu n'as pas trop froid là-haut, qu'il fait bon, que tu es bien couvert. Je pense que ça va être tout blanc et très joli. Et en plus, une journée à peu près correcte. Là, il n'y a pas de vent ici, tout au moins. Et je pense que là-bas, ça doit être à peu près pareil. Voilà, Roger, je te renvoie le microphone avec plaisir et je suis super content de voir que ça marche très très bien là. F5 Lima Kilo Whisky Portable, F1 ITO. Ok, Marc. Bah écoute, bien content de te contacter aussi, hein. C'est très très bon. Hein. 59. Si, il y a du vent, hein. Ça rafraîchit pas mal, donc je vais me déshabiller, là, me mettre torse nu. M'essuyer et puis me rhabiller avec des vêtements bien secs et la doudoune pour ne pas attraper froid. Voilà, mais c'est super, hein, c'est fantastique. Voilà, ben y a qu'ici où je suis bien. Hein. Je suis avec l'ID51, 5 watts et le petit quart d'onde. Bon, après l'altitude fait le reste. Tout à l'heure, j'irai sur un deuxième sommet, donc peut-être on pourra se contacter. Marco, je vais monter la station décamétrique, donc là je vais passer en QRX, sauf s'il y a d'autres stations qui sont à l'écoute et qui veulent me contacter. Fox 5 Lima Kilo Whisky Portable SOTA, le sommet de Couard dans le 04. A toi Marco. J'ai fait du Larsen, j'ai pas l'instant que tu parlais, donc j'ai écouté... J'écoutais sur l'antenne Comet omnidirectionnelle si je te recevais et je te soupçonne mais je ne te décode pas. Donc comme quoi même si on inverse les polarisations là et on a un gain qui est plus qu'optimum sur les antennes BIM de 6 mètres de boom là et qui sont bien sûr à 20 mètres de haut sur le pylône. Le pylône est levé au maximum. Donc ça, c'est quand même quelque chose, hein. C'est vraiment, ces antennes fonctionnent vraiment super bien, et il y a une différence qui est énorme, vraiment énorme. Hein. Donc avec la comète, hein, je me répète, là, qui est sur le chat, là, la comète fait 2 mètres environ, celle-ci fait 2 mètres 70, 2 mètres 50 de haut à peu près, eh bien je te soupçonne et ce serait pas du tout comestible, hein. On pourrait pas faire le contact. Hein. Donc d'où l'importance d'avoir les BIM sur le pylône, ouais, qui marchent vraiment bien. Et même si on a une inversion de polarité, eh bien c'est très très concluant, même sans préampli de réception. Ok Roger, je vais te laisser profiter de, enfin tout au moins d'installer ton installation filaire là, de façon à pouvoir faire des contacts à chef. Je vais retourner un peu dans le QRA. Dans le QRA, je ne serai pas toujours dans le tchèque, donc si tu veux me recontacter, appelle-moi sur le SOTA, sur le numérique. Hein. Je veille le TG208 et le SOTA. Hein. Voilà, et ce matin, je ne bouge pas, là. Je me suis levé de bonne heure ce matin parce que j'y suis allé faire la prise de sang, et donc avec quelques contrôles. Là. Bon, je te laisse profiter donc du site, et je reste à l'écoute
quand je suis dans le tchac sur l'analogique, sur le 145-550, et puis sur le quand je suis dans le QRA, sur le numérique. Là. F5 Lima Kilo Whisky portable, hein, ITO. Ouais, super. F1 ITO 83, Fox 5 Lima Kilo Whisky 04. Ouais, ouais, c'est très 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 bon. Hein. Oui, effectivement, hein, ça fait la différence, hein, les antennes directives. Hein. Marco, à plus tard, je rappellerai sur le DMR pour te contacter quand je serai sur le deuxième sommet. À plus tard Marco, et merci de ta présence. F5 Lima Kilo Whisky portable 04 en stand-by, y a-t-il quelqu'un d'autre? La propag en plus ce matin sur le 2 mètres, elle est très mauvaise en local. Je regarde ça sur l'aprs.menolink.org. Et on n'est pas du tout en rouge là, on est en jaune et c'est pas bon du tout. Et donc j'aurais pas le collègue sur la Corse non plus, qui est complètement hors ligne aujourd'hui, alors que je l'avais 59 il y a deux jours. Là. Voilà, je reste en stand-by, hein, ITO en stand-by. A plus tard Marco, merci. F5 LKW portable SOTA QRZ.